J'inviterai maintenant M. le député de Terrebonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je dépose l'extrait d'une pétition à l'Assemblée nationale signée par 4210 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec, les faits évoqués sont les suivants. Considérant que dans le cadre du cheminement menant à l'obtention du titre de psychologue au Québec, les étudiants doivent accomplir un internat obligatoire de 1600 heures habituellement dans le réseau public et qu'actuellement, ces heures d'internat sont non rémunérées. Considérant qu'il est nécessaire d'offrir à la population du Québec des soins en santé mentale accessibles et de qualité. Considérant que la durée des études en psychologie varie en moyenne entre 6 et 9 ans et que l'obtention du doctorat est maintenant obligatoire depuis 2006 afin d'exercer la profession. Considérant que le niveau d'endettement moyen des internes en psychologie est de 7 000 par année. Considérant également qu'en Amérique du Nord, seul le Québec et le Nouveau-Brunswick sont exclus de la rémunération de l'internat en psychologie. Considérant que la rémunération de l'internat permettrait d'alléger le stress financier des internes, leur permettant par le fait même de se concentrer sur leur pratique et de diminuer la durée des études. Considérant qu'il y a un manque flagrant de psychologues dans le secteur public, occasionnant de nombreuses listes d'attente pour obtenir une consultation en psychologie. Considérant que les internes disposent d'un savoir-faire et de connaissances qui se rapprochent de ceux d'un jeune psychologue ayant complété 700 heures de stage préalable à l'internat. Considérant que les internes en psychologie accomplissent environ 80 % des tâches du psychologue dans le cadre de l'internat, l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec de mettre en place des mesures nécessaires afin que l'internat en psychologie soit rémunéré. Je certifie que... de la pétition. Alors, on a compris que l'extrait de cette pétition était conforme. Est-ce que... Ben d'abord, je vous remercie pour la déposer. L'extrait de cette pétition...